c'est les initiales de chaque nom, de chaque prénom. Voilà. Jouer ensemble en improvisant dans les manifs. À fond la caisse devant. Il y en a qui viennent plus de l'univers trad, danse et d'autres pratiquer le jazz et la musique improvisée. Et tout ça, ça se mélange joyeusement et dans un esprit d'acceptation mutuelle des uns des autres. Et ça me plaît beaucoup. C'est joli, Andreas. C'est pas mal. C'est très hétéroclite, il y a des gens qui viennent de plein d'univers différents. Et notre force à nous, ça a été de mélanger toutes ces cultures musicales, de les rassembler, d'en faire un projet cohérent, avec sa propre teinte et ses propres sonorités. C'est vraiment une expérience humaine, et on espère que c'est aussi une expérience humaine pour les gens qui nous écoutent, qui voient toute cette voix, cette personnalité différente sur scène, qui bouge. Et c'est un spectacle pour nous aussi sur scène. C'est vraiment une expérience super enrichissante. Et voilà, je suis heureux. Un laboratoire, une expérience de liberté, de rencontre. C'est comme la cuisine, c'est ça, il y a vraiment plein d'épices comme ça, c'est mélangé, il y a plein de joie, il y a plein de... Et paf, ça explose en bouche comme ça. Et puis les gens, ils ont l'air de se régaler, quoi. Frappa Jam, en quelques mots, c'est 9 musiciens de la musique improvisée et avec cette couleur, voilà, Balkan, Tzigane qui est à la base du projet et qui part dans différentes directions aujourd'hui. Il y a cette idée, je pense, où il y a pas mal de musique improvisée, de chorus, c'est des choses qu'on ne voit pas. Les groupes où il y a de la chanson aussi en même temps. Collégialité, ça se dit ça? Énergie. Don, le don. Liberté,
puissance, force, énergie, joie, danse. Créativité. Voilà. Et une grande humanité.